Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Talon, qui est donc un assassin qu'on trouve beaucoup sur la voie du milieu dans la Ligue des Légendes. C'est un personnage un peu oublié, qui n'a pas été joué depuis longtemps et qui pourtant est très intéressant. Il a vraiment une façon de se jouer qui est typique d'un assassin, on pourrait dire d'un ninja presque, car il arrive dans le fight et repart très rapidement. Il fait énormément de dégâts et ça va vraiment être intéressant d'essayer d'utiliser ce potentiel à dégâts. La dernière partie et la dernière vidéo, c'était sur Katarina sur la voie du milieu aussi. Vraiment une partie très bien réussie, en bronze. Il y a de quoi s'amuser, je vous conseille d'aller la regarder. On se retrouve donc cette fois-ci sur la voie du milieu, bien évidemment, face à une Orianna. Les deux personnages sont des personnages qui ont une façon de se jouer très intéressante. Talon, qui va être au corps à corps, va devoir du coup se débrouiller pour ne pas prendre trop de dégâts en début de partie face à la Orianna, qui, elle, va tenter de harceler un maximum mon personnage, en l'occurrence, avec des attaques automatiques et aussi certains sortilèges à distance afin justement de ne pas elle-même se mettre en position de danger. Pour commencer la partie, en équipement, nous allons prendre une lame de Doran avec une potion rouge ainsi qu'une balise de vision jaune. Ça me permettra donc d'être normalement tranquille pour éviter d'avoir l'ennemi qui se balade dans la jungle adverse qui vient nous embêter sur notre voie. On va rapidement remettre la caméra uniquement pour notre équipe. Donc le début de partie, bien évidemment, nous allons couvrir la jungle de notre allié ici, jusqu'à ce que la partie commence. Nous commencerons en premier sort avec le Z. Le Z qui a en fait deux effets. Tout d'abord, ça va vous permettre de ralentir l'adversaire lorsqu'il va être touché. Vous allez balancer en fait diverses armes qui vont faire un aller et un retour, comme une espèce d'éventail. Si l'adversaire est touché, il va être ralenti. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'un adversaire ralenti, vous lui mettez 10% de dégâts supplémentaires. Une fois, vous avez donc aussi votre E qui plus tard vous permettra de sauter sur votre adversaire, de le réduire au silence qui l'empêche d'envoyer des sorts, et aussi d'augmenter une fois de plus vos dégâts. Donc au final, entre votre Z et votre E, juste au niveau 2, vous avez un bonus de dégâts de 13%, ce qui est très intéressant. Si on ajoute à cela les maîtrises offensives qui nous permettent d'obtenir un bonus de dégâts de 13% dès le niveau 1, même à partir du moment où l'adversaire est en dessous de 50% de ses points de vie, on arrive vraiment à 26% au final de dégâts supplémentaires dès qu'on est au niveau 2 et lorsqu'on a bien évidemment l'adversaire qui est sous un effet de contrôle tel qu'un ralentissement ou qu'un étourdissement. C'est très important à noter. Certaines personnes à une époque faisaient le maillet gelé sur Talon, je n'en vois pas vraiment l'intérêt. Nous n'avons pas besoin de partir sur des items qui nous permettent de survivre. Nous ne sommes pas là pour encaisser des dégâts mais pour en faire. Et c'est là que ça va être très intéressant. Début de game du coup, je reste très très loin de l'Orianna bien évidemment pour éviter de me prendre trop de dégâts de sa part. Et ici, le combat qui se lance. Malheureusement pour moi, je voulais faire mon saut éclair pour éviter sa boule, ce que j'ai raté, je l'ai fait un peu trop tard. Elle aussi a utilisé le sien cependant, parce qu'elle a eu peur finalement de mourir, je pense de la part des sbires bleus, bien évidemment. Et ici par contre, elle n'a pas le temps de pousser sa ligne pour que les creeps aillent s'écraser sous ma tour. Ce qui va me permettre, moi du coup, grâce à l'Orianna Holicine, qui vont geler ma ligne, de revenir tranquillement et de récupérer un avantage en termes de points d'expérience, bien évidemment, et donc de niveau, et en termes de récolte d'argent, ce qui est très important dans ce jeu, pour justement pouvoir avoir les équipements nécessaires ensuite pour avoir un gros impact dans la game, ou du moins aussi gros que possible. On va donc actuellement être au vis-à-vis d'une Orianna niveau 4, notre niveau 4 arrive, et là c'est intéressant, c'est que la Orianna finalement prend très peu de dégâts. Moi par contre j'ai des potions qui me permettent de tenir. Nous voyons notre allié Lee Sin qui commence à redescendre sur la voie du milieu. Ce qui va me permettre du coup d'essayer d'attirer l'Orianna à moi. Je prends de gros risques pendant lesquels je vais encaisser beaucoup de dégâts car je sais que Lee Sin arrive. Et c'est vraiment intéressant de jouer là-dessus avec cette façon de jouer en équipe qui me permet du coup d'attirer l'Orianna à moi, de l'appâter afin que mon Lee Sin puisse la tuer. De là, je vais juste retourner à la base pour récupérer encore un peu d'équipement. Bien évidemment, quelques potions pour pouvoir mieux tenir ma ligne. Et des balises de vision afin d'éviter de me prendre une agression de la part du Tarzan adverse, dirons-nous. Tarzan se balade dans la jungle, ça me paraît plutôt cohérent. Quelques dégâts qui sont mis à l'Orianna. Pensez toujours qu'à partir du moment où elle vient d'envoyer sa boule avec son sort A, le temps que la boule revienne jusqu'à elle, il y a un certain délai. Et du coup, elle peut se prendre les dégâts, comme ici, de mon sortilège Z à distance. La boule ne lui donne pas de bouclier avant de la toucher. Et c'est vraiment intéressant de jouer là-dessus, justement. Parce que plusieurs fois dans la game, on pourra utiliser ça, le fait que ce soit lors d'un temps de récupération, ou tout simplement parce que la boule est loin d'elle.
Ici, malheureusement pour moi, la boule a eu le temps de revenir à elle. Cependant, avec les dégâts qu'elle subit petit à petit et l'avantage de niveau que j'ai, nous savons que je peux lui mettre énormément de dégâts. J'ai mon embrasement qui est revenu, j'ai tous mes sorts qui sont disponibles. Je peux donc directement aller essayer de la tuer d'un seul coup grâce à mes sortilèges de dégâts sur la durée et bien évidemment aux dégâts instantanés que je peux infliger grâce à ce personnage. C'est un intérêt énorme que nous avons sur Talon, c'est d'avoir vraiment une capacité de dégâts instantanés énorme. C'est un assassin, il est là pour ça. À côté de ça, cependant, il faut noter que vous êtes très fragile. On revient encore une fois sur la voie du milieu, Lauriana qui est toujours niveau 5, il faut absolument que nous arrivions à cumuler cet avantage, à le faire grandir petit à petit. Le Lee Sin étant sur le côté, je ne crains pas grand chose par là, j'aurais pu attendre une minute ou au moins 30 secondes pour mettre cette balise côté haut de la rivière, bien évidemment. Nous allons mettre une balise rose qui nous permet de voir les invisibles dans le côté bas de la rivière. C'est une balise qui reste souvent très longtemps dans la partie car les adversaires ne pensent pas à aller vérifier ce buisson pour l'enlever, ce qui est toujours très intéressant pour moi. Lauriana qui reste très défensive comme vous notez, elle n'essaye pas de venir me harceler en termes de dégâts, mais car elle sait que si elle s'approche, malheureusement pour elle, je vais pouvoir lui sauter dessus et lui infliger un montant de dégâts considérable. Ici, nous la voyons maintenant en dessous de la moitié de ses points de vie. Et là, ça devient intéressant, c'est que j'ai tous mes sorts qui sont disponibles. Je n'ai pas l'embrasement, certes, mais mon ultime est disponible, ainsi que mes autres sorts. Nous savons donc que si je vais sur elle, j'aurai un bonus de 26% pardon, de dégâts supplémentaires. En comptant les dégâts de mon sort ultime, qui sont vraiment très intéressants, et bien évidemment de mes autres compétences, normalement, je pourrais la tuer très facilement si elle fait l'erreur de trop s'approcher de moi. C'est pour ça que je reste vraiment très proche de ses sbires à elle, car voilà, elle a fait une erreur. L'erreur est punitive, instantanément. Nous descendons maintenant sur la voie du bas car nos alliés sont vraiment en mauvaise posture actuellement. J'aurais aimé ici que la Leona puisse envoyer son sort ultime afin de toucher le Varus, que je puisse arriver et le tuer. Malheureusement pour moi, au moment où j'arrive, je reçois la fatigue de la part de la Janna et ça ne suffira donc pas à les tuer. Ils ont cependant utilisé tous les deux maintenant leur saut éclair comme nous voyons ici. Je vais pouvoir retourner du coup à la base pour acheter un peu plus d'équipement. Toujours des balises, des potions, ce qui est très utile. J'ai aussi un sceptre empirique qui va me permettre du coup de plus tard faire l'item l'hydrovoras qui permettra d'avoir beaucoup plus de dégâts instantanés et bien évidemment une capacité de soin en plein combat très intéressante. On rappelle en outre qu'avec l'effet actif, cela peut rajouter à mes dégâts instantanés. Un ultime, un Z, un A et bien évidemment une hydrovoras me permettront d'avoir bien plus de dégâts que ce qui peut être anticipé par l'adversaire. Nous allons maintenant chercher l'amélioration bleue que le Lee Sin nous donne. C'est assez compliqué ça. Pour justement avoir une phase sur la voie du milieu plus simple, étant donné que nous n'aurons pas de problème de points de magie. Car ça peut rapidement être gênant sur Talon, étant donné qu'il en consomme énormément. Le Lee Sin qui ici met quelques dégâts à la hélice, puis part sur le Nasus. Je vais donc rapidement la tuer avec mon sort ultime actuellement, ce qui est assaut ténébreux. Assaut de l'ombre, quelque chose comme ça, je ne connais pas le nom français malheureusement, qui me permet du coup de mettre comme quelques dégâts à distance et d'augmenter ma vitesse de déplacement. La Orianna qui est restée sur sa voie et je passe donc par derrière pour lui mettre quelques dégâts, j'ai mon embrasement qui est disponible, si elle fait une erreur de placement, via mon Z, mon A et mon embrasement, je pourrais largement la tuer ici. J'essaie donc de rester en position un peu agressive et là ici, grâce à la balise de vision que j'ai mis, j'attends qu'elle a utilisé son bouclier, elle a utilisé son Z aussi, elle n'a plus rien de disponible. Je peux donc la tuer tranquillement en utilisant moi-même mon saut éclair pour la surprendre. Car si je n'avais pas utilisé le saut éclair, ici, elle aurait pu s'échapper tout simplement. Avec le saut éclair, ça me permet de lui sauter dessus, de la réduire au silence complètement, afin qu'elle ne puisse pas utiliser ses compétences et que du coup moi-même je puisse tout faire. Sur la voie du bas, nous voyons actuellement la Vayne qui continue de chasser la Janna. J'aurais aimé que la Vayne s'arrête ici et qu'elle reparte en arrière pour que moi je puisse venir chasser la Janna ici. Malheureusement pour nous, elle ne le fait pas. Je vais quand même aller mettre quelques dégâts à la hélice, ce qui est toujours intéressant. Un adversaire Tarzan qui a moins de points de vie peut toujours prendre des risques. Ici, le Nasus qui va absolument venir me combattre. La Leona est avec moi. À nous deux, nous pouvons prendre cette mort, obtenir du coup cet argent que nous récoltons du coup, que nous récoltons en tuant une personne, ce qui est beaucoup plus intéressant bien évidemment que sur les sbires. Nous avons aussi une amélioration bleue à récupérer, car la Elise est en mauvaise posture actuellement, elle était basse en vie. La Leona m'aide bien évidemment grâce à des hacks, à une vision supplémentaire qu'elle m'apporte avec ses balises. Nous repartons sur la voie du milieu, prendre quelques sbires pour avoir un peu d'or bien évidemment, toujours cette idée de pousser la ligne, puis ensuite de décaler pour aider ses alliés. Ici je vais arriver donc sur la voie du bas. La Janna, je pensais qu'elle avait son ultime, donc je ne m'embête pas avec elle. Je vais directement essayer d'aller plutôt sur le Varus, qui lui est dangereux. J'y récupère donc une assistance, ce qui me donne toujours quelques pièces d'or et bien évidemment quelques points d'expérience. On repart maintenant sur la voie du milieu, comme d'habitude, à chaque fois. C'est cette idée de décaler
pousser la voie, redécaler. Le dragon qui va être fait par mon équipe actuellement, je me mets en position agressive au cas où les adversaires s'avancent et qu'ils voulaient venir vérifier si nous le faisions. Malheureusement pour moi, aucun adversaire ne prendra le risque de s'aventurer dans les buissons là-dessus. En termes d'équipement, j'ai maintenant fini mon brutaliseur avec l'ex-drinker. Je crois que le nom est le même de toute façon pour ces objets-là, en tout cas en français. Désolé si je me trompe. La pioche, par contre, qui nous permettra plus tard d'avoir le dernier souffle. Ce qui va être très intéressant, car nous devons vraiment tuer instantanément les adversaires. A partir de là, il nous faudra les dégâts requis, via bien évidemment toute la puissance physique dont je dispose avec mon équipement, mais aussi pénétrer l'armure adverse. Et c'est pour ça que le brutaliseur et le dernier souffle vont être très utiles très rapidement dans la partie. Sur la voie du haut et sur la voie du bas, j'ai des alliés et j'ai une vision sur les ennemis. Ce qui me permet donc tranquillement de prendre la tourelle adverse, de mettre quelques dégâts à l'hélice qui pourra cependant s'échapper. Je vais pouvoir maintenant retourner prendre l'amélioration bleue et repartir sur ma voie du milieu pour prendre bien évidemment encore une fois les sbires. A chaque fois nous prenons les sbires, nous bougeons. Ici nous avons notre Irelia qui engage un combat, finalement notre Lucine et moi-même qui allons arriver à porter pour l'aider. Cette chère Elise, cette chère araignée qui pourra s'échapper, malheureusement pour nous. Cependant nous avons Lucine qui a pu pousser la Oriana vers nous, ce qui va nous permettre de prendre une mort supplémentaire. C'est toujours intéressant. Un peu plus d'or pour nous. Toujours bien, sachant que quand on est assassin, tout l'intérêt d'une partie, c'est de prendre l'avantage dès le début et de faire grandir cet avantage tout au long de la partie. Ici, notez ce move très intéressant. Cette action très intéressante, c'est-à-dire que je suis poursuivi par les adversaires, je mets donc une balise de vision derrière au niveau des fantômes, je crois que ça, oui, c'est ça, c'est les fantômes adverses. Grâce à ma balise, je peux faire bien évidemment mon E qui me permet de sauter dessus pour m'échapper de ce bourbier complètement. On va donc retourner à la base. Malheureusement pour nous, notre Leona mourra de cette action. Pardonnez-moi, petit raté de ma part. Voilà. Ici, nous avons notre Irelia et notre Lucine qui prennent beaucoup de dégâts. La Vayne qui veut venir à la rescousse. Malheureusement pour elle, ça ne va pas spécialement bien se passer. Elle va prendre énormément de dégâts. Cependant, nous voyons que moi-même, j'arrive ici. J'ai tous mes sortilèges qui sont disponibles. A partir de là, je vois les adversaires qui sont très bas en vie. J'aurai donc un gros bonus de dégâts sur eux. Je n'hésite pas, dès que je suis à portée, je saute sur les adversaires et j'envoie tout ce que j'ai pour mettre un maximum de dégâts et les effrayer afin qu'ils s'échappent. Nous avons donc défendu la tourelle, pris un kill, et nous allons pouvoir tranquillement aller pousser la ligne si cela est possible. La Janna qui va cependant venir mettre une balise de vision que je vais détruire. Nous voyons la Hélice qui essaie de prendre son amélioration bleue, cependant elle est très basse en vie. Je ne suis pas à portée pour sauter sur l'hélice avec mon E. Cependant, je suis à portée de l'amélioration bleue. Je vais donc sauter sur l'amélioration, puis essayer de mettre des dégâts à l'hélice. Je ne la tuerai pas. Je vais donc utiliser mon saut éclair pour rapidement aller la tuer et récupérer une fois de plus, bien évidemment, une mort pour obtenir plus d'or et toujours plus d'équipement. C'est vraiment cette idée d'avoir un avantage que nous ne lâchons pas du début à la fin de la partie. C'est comme ça qu'avec des assassins, vous allez pouvoir gagner et monter en classement. Et c'est ça qui est très intéressant. Cette façon de jouer, c'est vraiment sympa, ça change de ce côté un petit peu sans risque, qui manque vraiment de panache finalement. Car ce qui est intéressant, c'est de dire, c'est moi le héros, c'est moi qui vous sauve, c'est moi qui vais vous emmener vers les plus hauts classements. Malheureusement ici, on va voir que ça pose parfois quelques problèmes. Je viens d'utiliser mon saut éclair un peu mal, avec espoir que la Janna me pousse assez loin. Je n'avais pas du tout prévu que le Varus et la Hélice allaient arriver sur le côté pour me mettre quelques dégâts supplémentaires. Je suis donc mort une fois de plus suite à un mouvement mal anticipé. Je ne pensais pas que la Janna en fait allait revenir sur la voie du bas si rapidement, ce qui est vraiment dommage pour ma part. Je commence enfin à pouvoir améliorer mon sort E. Notez que maintenant je suis donc à 6% de dégâts supplémentaires. On rappelle qu'avec les maîtrises, on passe donc à au total 29% de dégâts supplémentaires lorsque l'adversaire est sous un effet de contrôle de foule, que ce soit un ralentissement, un étourdissement. C'est très important de noter ça. Ça plus le fait d'avoir moins de 50% de points de vie. Et bien évidemment, toutes les maîtrises offensives qui me donnent au total 29% de dégâts pour l'instant. Bien évidemment, ça va encore augmenter avec les rangs de ce sortilège, ce qui est toujours intéressant à noter. Nous avons notre Irelia ici qui prend un combat où elle va être mise à mal après avoir tué l'Oriana. J'arrive directement et j'envoie tous les sorts que j'ai pour rapidement tuer la Hélice afin qu'elle meure avant de pouvoir tuer notre Irelia. C'est vraiment très important de ne pas hésiter à sauver un allié avec tous vos sortilèges si vous voyez qu'il ne joue pas mal. Parfois, il vaut mieux laisser ses alliés dans une mauvaise posture parce que vous ne pouvez pas les aider. Vous risqueriez plus que ce que vous ne gagneriez. Cependant, dans les conditions où la Irelia a actuellement un très bon score, on voit qu'elle joue bien. C'est toujours bien de pouvoir essayer d'aller l'aider. Le dragon est disponible pour ma team et moi-même. Je vais donc aller le faire pendant que mes équipiers vont prendre quelques objectifs et quelques combats, bien évidemment, en escarmouche. La partie là-dessus, finalement, nous avons tellement d'avance que les adversaires décident de se rendre. Pourquoi ? Parce que finalement ce côté assassin, même si mes premiers niveaux ont été très difficiles pour moi, suite à une erreur au niveau de ma phase sur la voie en début de partie avec la Oriana où elle prend du coup le premier sang,
Malheureusement pour moi, ça ne m'a pas aidé, mais après ça, j'ai eu le Lee Sin et les Relia qui sont venus vraiment m'aider sur ma lane, ce qui m'a permis de revenir à niveau. Et une fois que je suis revenu à niveau, bien évidemment, j'ai essayé de cet avantage-là, de l'utiliser du début à la fin, pour aller le donner à mes alliés sur la voie du bas énormément. J'ai été du coup essayer d'agresser les adversaires plusieurs fois, ce qui m'a permis actuellement de redonner aussi cet avantage que j'ai obtenu grâce à mes alliés, je l'ai transmis à d'autres alliés. Et c'est vraiment toutes ces choses-là qui vous permettront, bien évidemment, de gagner votre partie et d'améliorer votre classement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert aussi, enfin pouce bleu maintenant d'ailleurs, et de partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Vous avez aussi bien évidemment mes réseaux sociaux et tous les liens disponibles dans la description, les runes et les maîtrises aussi. Et pour vous abonner à la chaîne, vous cliquez sur Talon juste à côté. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous souhaite une bonne journée.